Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Kylian et le Faux Quinté avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sur la grille de départ du grand handicap de Deauville, 15 compétiteurs de 3 ans et plus vont s'affronter en ligne droite sur la distance de 1600 mètres. Feu rouge, je freine avec le 3 Roc Blanc. Cet élève de Mickaël Delzangle réalise une belle année, mais il a une chose contre lui, une piste qui risque d'être trop pénible pour ses aptitudes. J'ai décidé de le mettre de côté. Feu orange, je ralentis avec le 11 Alf Alf. C'est le seul 3 ans à départ. Il a remporté les deux handicaps cette année, mais il n'a pas encore atteint son plafond de verre. Le 1er juillet à Chantilly, il a été contrarié à 400 mètres du poteau avant de bien se relancer derrière des poulains en 45 de valeur et plus. Performance sur des pistes bien souples, il peut damer le pion à ses aînés. Feu vert, j'accélère avec le 9 We Ride the World. Il revient sur un parcours où il affiche 75% de réussite dans les 5 premiers. Baissé sur l'échelle des poids, à l'aise sur des pistes gorgées d'eau et dépendant du Dekiru en grande forme, il coche quasiment toutes les cases pour signer une cinquième victoire dans les quintés. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus champ réduit, flexi 25% avec le 9, le 7, le 10 et 2X, associé à l'As, au 2, au 11, au 12 et au 14 pour la somme de 10 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.